Le trailer d'Echo est sorti, il semblerait. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Le trailer d'Echo, la série Marvel, est sorti, semble-t-il. Effectivement, on a eu des rumeurs comme quoi il allait sortir aujourd'hui. Ce ne sont plus des rumeurs, il est vrai. Le trailer est sorti. Évidemment, c'est le trailer le plus attendu de l'année, c'est faux. J'ai vu que les échos avaient l'air plutôt bons dessus, donc je suis assez curieux de regarder, même si, qu'on soit clair, je me méfie énormément des trailers. Hein. Je vous rappelle qu'on était beaucoup à avoir eu l'impression, moi y compris, que Quantumania avait l'air cool, quand on avait vu les trailers, hein, vous vous rappelez, le « Oh, ça a l'air plus dramatique, plus sérieux, ça a l'air bien, dis donc !» Et on a vu le film après. Mais je suis curieux de voir ce trailer, on va juger le trailer en tout cas, voir s'il donne effectivement envie ou pas. Et la série, on la jugera bah, quand elle arrivera. Mais voyons voir ça tout de suite. C'est parti. Ok, donc c'est elle enfant. Pourquoi il surveille une gamine? Ok, il a pas aimé qu'il se moque d'elle. Ça commence quand même directement sur Kingpin. Hein. Pour une série Echo. Ouais, ils veulent vraiment nous montrer que c'est le Kingpin qu'on a aimé dans la série Netflix. Ah, Echo, tiens. On est plus dans le même ton qu'avec la bande des survêtes dans la série Hawkeye. C'était qui ça? Bon, on le reverra après de toute façon. Ah ouais, alors ce que j'ai cru voir un peu partout, effectivement, il y a du sang. Daredevil. Ok, donc en gros, elle a un peu copié sur lui, elle a pris de lui le côté hyper violent. Ouais, c'est après la série Hawkeye, donc après qu'elle lui ait tiré dans l'œil. Je sais pas, à voir, pourquoi pas. Je peux pas dire que ça me hype de ouf, parce qu'encore une fois, pour l'instant, perso déco, je m'en fous. On m'a pas donné envie de l'apprécier dans la série Hawkeye. Alors ça va peut-être changer maintenant, hein, mais vu qu'ils savaient déjà qu'ils allaient faire une série Echo, ça avait déjà été annoncé, ça aurait été bien de faire en sorte de la rendre particulièrement intéressante en amont, pour le coup. Mais vraiment, ouais, on voit du coup qu'il commence, ça commence vraiment sur Kingpin. Et du coup, je suis curieux de savoir pourquoi du coup il l'observe comme ça, c'est chelou quand même. Ouais, donc c'est toujours vrai. Vraiment, ça, le message là, c'est vous avez vu, il y a du sang. Eh, c'est violent, vous aimez bien quand c'est violent. Vous l'avez aimé sur Netflix. Au moins, c'est bien, ça a l'air différent du ton de Hawkeye, où vraiment Kingpin, on le reconnaissait pas, quoi. Make America Skate Again. Oh là. Ouais, d'accord, référence au Make America Great Again de Trump, évidemment. Donc ouais, tombe de son père, j'imagine. Là, doit repenser à l'accident qui a provoqué son handicap. C'est ça, moi je la connais peu en fait. Et encore, peut-être que ça va être super cool et que du coup maintenant je vais l'adorer. Mais là, pour l'instant, c'est pas un personnage qui m'intéresse. Enfin... C'était qui lui? Ça a l'air plutôt pas mal filmé. Bon, on a encore des couleurs qui ont l'air assez délavées.
Mais c'est possible qu'il y ait des idées de réal quand même. Je vois pas. C'est bizarre que ce soit en noir et blanc là. Ah, je l'ai loupé. Ah, bah, vu, si, voilà, c'était ça. On dirait que c'est Momoa qui vient de sortir de la tente. Ça va être là. Ouais, donc il y a un plan en noir et blanc. Pourquoi? Du coup, je suis assez curieux de savoir ça aussi. Daredevil. Ouais, c'est elle contre Daredevil, d'accord. Du coup, ils n'ont pas pu s'empêcher de le montrer déjà dans le trailer. Ok. Ouais, donc vraiment sur le parallèle entre les deux. Puis elle qui va réussir à se détacher. Non, je ne suis pas le monstre que tu es. Je peux décider de changer. Je peux choisir mon propre chemin. Écoutez, c'est pas mal. Franchement, ça va. Ça va, le trailer. Reste à voir la série, mais... tous les épisodes ont streamé le 10 janvier. Ça, par contre, vraiment. Et par contre, il y a un truc qui m'a moyennement plu, là. C'est, j'ai vu, il y a eu... Je crois que c'est dans Variety. Oui, c'est dans Variety. Avec je crois que c'était le scénariste qui disait en gros, ouais, c'est la honte, ces pouvoirs dans les comics, le fait qu'ils puissent. Alors déjà, respecte un peu les comics, hein. Tu bosses pour le MCU, sans les comics, t'es pas là, mon loulou. Enfin, en tout cas, pas sur ce taf. Mais du coup, qui dit, ouais, c'était kinda lame, donc c'était un peu naze dans les comics, son pouvoir. En gros, c'est un peu la Taskmaster, quoi, elle peut. Elle a développé ses sens pour pouvoir copier les styles de combat des autres. Il dit voilà, nous sera différent parce que c'était un peu naze dans les comics. Ok, bah écoute, commence à cracher sur les comics, t'as raison mon loulou. Hein. C'est une bonne idée, c'est une bonne idée. Mais à voir, écoutez, de toute façon j'avais dit, hein, on fera un marathon du coup le 10 janvier sur la chaîne. On fera un marathon où on se regardera toute la série, on se bingera la série ensemble. Je serai en live sur YouTube en même temps. Et puis voilà, je suis curieux vraiment d'avoir votre avis par rapport à ce trailer. Du coup, n'hésitez pas à me donner ça en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, bien évidemment. Ça aide beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à très bientôt et ciao, ciao.